Je crois à la vie éternelle. Par ces mots sont résumés tout ce qui concerne nos fins dernières. Premier acte de nos fins dernières, la mort. Et c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Deuxième acte des fins dernières, le jugement. Au moment où l'âme meurt, elle comparaît devant son Créateur. Elle retourne à Dieu. Comme dit notre Seigneur dans une parabole, lorsque le maître qui était parti en voyage revient et retrouve ses serviteurs, il dit ceci, « Rends compte de ta gestion. » Eh bien voilà ce qui se passera au jugement dernier. Lorsque l'âme meurt, elle est jugée par son Créateur. Parce que nous sommes dépendants de notre Créateur, Dieu nous a donné la vie, eh bien nous devons rendre compte des biens que Dieu nous a donnés. C'est lui qui nous a donné ce bien très précieux de la vie. C'est lui qui nous a donné les qualités que nous avons. C'est lui qui nous a donné tout ce que nous avons reçu de surnaturel, la grâce par le baptême, les sacrements. Et toutes ces grâces actuelles qui sont autant de moyens par lesquels le bon Dieu nous aide à bien vivre ici-bas. Tout cela nous a été donné par Dieu. Puisqu'il nous l'a donné, il nous faut rendre compte de cette gestion. Rends compte de ta gestion. C'est ce qui se passera au jour du jugement dernier. Dans le lieu même et à l'instant où l'âme quittera le corps, elle comparaîtra devant Dieu et sera jugée. À ce moment-là, il y aura un examen de toute notre vie. Et là encore, en un seul instant, puisque notre âme sera séparée du corps et pourra donc voir comme les anges voient, de façon purement spirituelle, en un clin d'œil, en un regard perçant, transperçant, l'âme verra toute sa vie, tout ce qui est bien, tout ce qui est mal. Non pas à la manière dont nous faisons nos examens de conscience, c'est-à-dire petit à petit, en repassant nos diverses actions, en repassant les divers temps, les divers lieux que nous avons fréquentés. Non, ici ce sera en un seul regard, extrêmement transperçant, l'âme se verra telle qu'elle est. Et l'âme, peut-on dire, se jugera aussi telle qu'elle est. Et c'est ce qu'il y a de plus tragique, parce qu'il y a dans notre âme une conscience. Nous l'avons tous éprouvé, cette conscience. Cette conscience qui nous dit, petite parole intérieure, qui nous dit le bien et le mal, qui nous dicte ce qu'il faut faire de bien, ou qui met quelque chose dans notre âme en nous disant ce n'est pas bien. Ce remords qui nous poursuit parfois lorsque nous avons fait du mal, et que nous sommes malheureusement capables d'étouffer. À ce moment-là, lorsque l'âme aura quitté le corps, cette conscience, elle retrouvera toute sa faculté. Cette conscience sera à ce moment-là l'acte le plus lucide que nous pourrons poser, et l'âme se jugera elle-même telle qu'elle est. Instant tragique, parce qu'elle verra tout. Lorsque, dans la liturgie des défunts, nous chantons cette séquence qu'on appelle le Dies Irae, il y a cette parole que chante justement la liturgie, « Quid quid la tête apparebit ». Tout ce qui est caché apparaîtra. « Nil inultum remanibit » et rien ne sera laissé au hasard. Alors à ce moment-là, l'âme sera jugée, ou se jugera, sur le bien et le mal. On représente justement souvent l'ange du jugement avec une balance. Parce qu'effectivement, la conscience pèsera le bien et le mal, le pour et le contre. La conscience éclairée, l'âme sera à elle-même son propre témoin et son propre juge. Et en fonction justement de ce qui pèsera dans la balance, en fonction de la vie, de la grâce que nous avons reçue, gardée, accrue, ou de cette vie que nous n'avons pas voulu, rejetée ou même méprisée, en fonction de tout cela, notre âme se jugera et Dieu, dans un silence éternel, prononcera la sentence définitive. Le sort sera fixé et la sentence irrémissible. Nous ne pourrons plus rien faire. Nous pouvons même penser aussi, pour nous éclairer, que nous serons jugés par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous montrera ses souffrances et son amour qu'il a tant montré durant sa vie ici-bas. Il nous montrera toute sa passion et nous verrons toutes les pensées de sa passion, ces pensées qui sont allées pour chacun d'entre nous. Et à l'aune de ces pensées, nous serons jugés, selon que nous aurons rendu vain la passion de notre Seigneur sur nous, ou selon que nous nous serons nourris et abreuvés de cette passion.
Ce jugement, nous l'appelons le jugement particulier, parce que chaque âme sera jugée au moment même de sa mort, et chaque âme sera fixée de façon éternelle par la sentence prononcée par le souverain juge, Dieu lui-même, notre Seigneur. Mais en plus de ce jugement particulier, il y aura aussi un jugement général. À la fin des temps, lorsque tous les hommes seront morts, eh bien nous paraîtrons tous à nouveau, si l'on peut dire, parce que nous voyons cela à travers des images, nous paraîtrons tous devant Dieu. Non pas pour une nouvelle sentence, la sentence ne sera pas changée, mais cette fois nous serons jugés à l'égard face à Dieu et à l'égard de Jésus-Christ, surtout à l'égard des autres hommes. Et nous verrons non seulement les péchés que nous avons commis, mais nous verrons aussi toutes les conséquences de ces péchés. Finalement, nous pouvons dire que nous ne serons plus jugés simplement comme l'individu qui comparaît devant Dieu, mais nous serons jugés comme l'animal social, dont les actes ont une répercussion politique, sociale, familiale, par exemple, pour un père de famille, politique, pour un chef. Et toutes les fautes prennent à ce moment-là une autre dimension. Et ces fautes qui ont été publiques, eh bien, recevront un jugement public. Non plus simplement cette fois un jugement individuel, mais un jugement public. Ceux qui ont jugé et condamné notre Seigneur recevront un jugement public au jour du jugement dernier. Et aussi les saints qui ont mis en honneur et qui ont fait aimer notre Seigneur et Dieu, et qui ont sauvé des âmes par leur ministère, par leur charité, ceux-là recevront aussi un jugement public pour les bienfaits qu'ils ont faits. Mais voilà donc ce jugement général. Donc après la fin des temps, nous comparaîtrons à nouveau tous et nous serons jugés devant Dieu. La sentence ne changera rien, mais nous serons présentés, si l'on peut dire, face à tous les hommes et toutes nos actions seront ouvertes, lues comme dans un livre par tout le monde.